C'est en train de se connecter. Il fait beau chez toi? Il faisait beau dans la journée. Là, il y a quelques nuages qui sont arrivés, mais normalement, il va faire beau ce week-end, je pense. Mais bon, on ne peut pas sortir. Et voilà, on est en train de se connecter à YouTube. Voilà. Alors. Est-ce que ça marche en direct? Comment ça marche? Voilà, je te vois alors. Ok, c'est en train de marcher normalement. Si tout va bien, ça fonctionne. Bon, bah, Alors, écoute. je vais voir s'il y en a qui arrivent à se connecter en même temps. Alors, comment ça marche? Est-ce que je peux voir? Ah, comment ça? Mais j'arrive pas à me voir moi sur YouTube. Tu Comment je fais? te vois pas? J'arrive pas à voir que je suis. Ah, mais parce que je suis connectée, il faut que je me déconnecte. Alors attends. Non, comment je fais? Je sais pas. Alors ça, je sais pas. Est-ce que toi, tu as ton téléphone et tu as YouTube, toi, sur ton tel? Je mets mes lunettes, hein. Ouais. Oui, je pense, oui. YouTube. Ah non, non, je Pour suis pas. voir si ma vidéo paraît sur YouTube. Parce que je n'arrive pas à Attends, voir. je te mets sur ton Ah, chemin. Ah ça y est, je oui, vois. Ça y est, c'est bon. Voilà. Ça y est, ça démarre. On va pouvoir démarrer. On est bien là. oh, tu sais, il m'a envoyé une combinaison. Qu'est-ce qu'elle est moche, la combinaison rouge? On a commencé le live. Ah! Alors, coucou tout le monde. Alors, je suis en train de regarder en même temps les messages. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage entre ce que je vois là et notre live. Oh, bon, je vois que tout le monde s'est connecté. Faites-moi un petit message. Ah, voilà, il y a quelques secondes de décalage. Alors, vous inquiétez pas, les abonnés, c'est une première. Vous assistez là à une première. Voilà, donc j'ai invité Nicole, je vais vous la montrer. Normalement, elle va apparaître dans quelques secondes. Et on va essayer de faire un live sur YouTube avec une invitée. Voilà, donc c'est Nicole. Ce qu'on a prévu de faire ce soir, alors je vois que vous êtes tous en train d'arriver. Je vous fais un coucou général parce que j'ai du mal à lire en même temps vos commentaires et en même temps à faire le live. Alors, ce que je vous propose, parce que je ne vais pas arriver à lire les deux en même temps, on va faire le live avec Nicole. On va parler des produits, on va vous montrer tout ce qu'on a à vous montrer. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est que ben, on répondra à vos questions. Si vous en avez à ce moment-là, je reprendrai le téléphone pour répondre à vos questions, puisque je vois que vous êtes connectés. Alors, si tout se passe bien, normalement, à la fin du live, je peux récupérer la vidéo de ce live et je la mettrai en ligne sur YouTube pour celles et ceux qui n'auront pas pu assister à ce live. Donc, je te dis bonsoir, Nicole, et merci d'avoir accepté Bonsoir, mon Nathalie. invitation. Bonsoir Parce à que tout le monde. c'est une grande première, Mais voilà. voilà, mais c'est le bon moment de faire des premières. Voilà, donc ça me fait très plaisir que tu aies accepté parce que bon, il fallait que quelqu'un essuie les plâtres avec moi et c'était pas évident. Ah, c'est une amie, tu es une amie depuis tellement longtemps Voilà. maintenant, hein? Et puis une Mais vraie ça me fait amie. plaisir. Mais ça me Donc fait plaisir. voilà. Donc ça va marcher, ça y est, on est lancé sur des lives en duo sur YouTube. Ça c'est terrible. Avec toi, ça marche tout le temps. Oui, on va y arriver. Donc voilà, bah alors du coup, on a prévu, comme je vous ai dit, de vous présenter des produits. Alors, est-ce que vous me voyez? Alors, je vérifie quand même un petit peu que ça fonctionne. Oui, c'est bon, là, on te voit, tu es en photo, là. C'est bon. Donc, on est un peu décalé. Donc, les produits qu'on va vous présenter ce soir. Alors, Nicole, est-ce que tu veux ouvrir le bal avec un premier produit que tu souhaiterais présenter? Si tu veux, j'ai trouvé ce produit de Nocibé, le lait démaquillant. D'accord, Et je ne je connais l'ai pas. trouvé sur Yuka et il Oui. est excellent à petit prix et vraiment une très bonne composition. D'accord, Alors, c'est un répondisage. oui, pour se démaquiller. Te dire D'accord. qu'il est mieux que les autres, non, parce Non. que c'est un démaquillant, mais au moins pour toutes celles qui veulent des produits qui ne sont pas chers et qui ont une bonne composition, eh bien, chez Nocibé, on peut commencer à avoir certains produits. Voilà. D'accord. Très intéressant. On commence avec celui-là. Allez, alors moi, je vais commencer à ouvrir le bal aussi. Du coup, je me mets en ligne. Alors, moi, ce que je vous présente ce soir, je l'ai acheté hier. Vous savez que je suis une Madame Lidl pour tout ce qui est gel douche parce que c'est pas cher et c'est sympa. Et là, la dernière gamme qu'ils ont sortie, c'est celle-ci qui s'appelle With Organic Almond. Donc, c'est à base d'amandes. Ils sont
divinement bons. Et c'est des produits qui ne sont toujours pas chers du tout. Donc, j'aime bien vous les présenter quand ils sont encore dans les magasins pour que vous puissiez les acheter si vous le souhaitez. Donc, voilà. Moi, c'est ce premier produit. Et après, on va parler d'autre chose. À toi, Nicole. Je te laisse présenter le prochain produit parce que je vais dans la cuisine chercher un truc, un gel douche aussi qui est excellent et qui a plus de plus. Allez, j'y arrive tout à l'heure. C'est à moi. Alors, moi, je voulais vous représenter. Vous avez vu sur Instagram, c'était quand hier, j'ai fait le plein de produits à la Bastide des parfumeurs parce qu'en fait, moi, je consomme beaucoup de bougies et surtout en cette saison. Et donc, je suis allée chercher deux nouvelles bougies à la Bastide des parfumeurs. Je vous ai mis le lien et le code promo parce que c'est quand même intéressant. C'est pour les soutenir aussi parce qu'en fait, ils ont décidé de fermer les boutiques, bien entendu, avec le confinement. Mais la vente en ligne continue. Et vous avez un super code promo que je vous ai mis dans la barre d'infos. Moi, j'en ai pris deux. J'ai pris fraise des bois. Alors, fraise des bois, je l'adore. J'en suis à la deuxième ou la troisième. Ça sent vraiment le fruit rouge. Si vous aimez les fruits rouges, fraise des bois, je vous la conseille. Donc, j'ai pris celle-là et j'ai pris… Alors, attends, je pose. Et j'en ai pris une autre là que je vais tester. C'est la première fois que je l'essaie. Elle s'appelle Nougatine. Alors, oh, Nougatine, c'est comment vous dire, c'est terrible. Ça sent Noël, ça sent presque Noël. Ça sent cette ambiance cocooning. On est vachement bien. Donc, vous voyez, elle est toute neuve. Je ne l'ai pas encore essayée. Mais alors, rien que l'odeur là, terrible, terrible, terrible. Et la dernière chose que j'ai pris chez eux hier soir… C'est un parfum. Il s'appelle, alors praline, vous allez dire, ça y est, je suis branchée sur la praline, j'avais envie de douceur. Hein. C'est praline et framboise. Donc, c'est un mélange de mes deux bougies. Là, dedans, c'est original. Un peu, voilà, un peu de fruits rouges, un peu de praline, un peu de sucré. Donc, si vous aimez cette ambiance sucrée avec des fruits, alors là, praline, framboise, c'est le top. Et bien entendu, je vous ai mis toutes les infos, enfin, je vous les mettrai après quand je mettrai en ligne. Dans la barre d'infos, vous aurez toutes les informations. À toi, Nicole. Alors, moi, j'avais reçu par Sanex un gel douche que j'avais présenté et qui s'appelle Zéro. Oui. Ce produit, d'une part, il y avait une éponge aussi, une éponge, une vraie éponge, là. Oh, c'est un délice. Et hier, on a fait mes courses. J'en ai pris un qui est bien noté aussi, 73 sur 100, mais pas 100 sur 100 comme celui-là. Ils sont à 2,75. C'est pas cher du tout. J'en ai pris pour toutes mes salles de bain. Parce que franchement, là, il y a une douceur. Et ça existe pour peau sèche, pour peau normale et pour peau fragile. Il y a trois types de zéro. Oui. Et Sanex, en plus, sont des produits déjà très sérieux. Hein. Moi, je sais que dès qu'on a un problème de peau, on se retourne vers Sanex pour des déos ou autre chose. Et donc, en gel douche, ça doit être pareil. C'est ça. C'est les premiers déos qui ont fait Santal, que je crois. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'odeur. Mais c'est pas cher et c'est vraiment très doux et très bon pour la peau. Voilà. D'accord, très bien. Alors moi, le prochain produit, je reprends la main. C'est rigolo parce que c'est une après l'autre. Je n'ai pas trouvé comment nous mettre toutes les deux, mais je trouverai pour la prochaine fois. Alors, je reprends la main. Et donc, avec le Elle Magazine, le week-end dernier, j'ai eu ce petit mascara de chez Narcissis, ça s'appelle en fait. Voilà, c'est le nouveau qui s'appelle Climax Extrême. Alors, ils disent sur l'emballage, mais du coup, je l'ai testé, c'est celui que je porte. Il est écrit que c'est un volume extrême, qu'il est noir extrême, bien bien noir, et une performance extrême. Enfin, il est extrême pour tout. Alors, je vous montre la petite brosse. Voilà, elle est comme ça, la brosse. Bien. J'aime bien. Elle est ni trop grosse, ni trop petite, donc c'est très bien. Et il fait des cils incroyables et très très noirs comme j'aime, parce que souvent les mascaras ne sont pas assez noirs pour moi. Là, il est bien noir. Voilà. C'est parfait. À toi. Alors, moi, d'abord, je me suis acheté ça aussi parce que nous avons resté pas mal de temps sans aller chez le coiffeur. Et vu comment les rayons des magasins sont déjà vides, je suppose que ça va partir très, très vite. C'est sûr. Et moi, j'ai pris le blond parce que mes racines seront en tout cas sauvées avec ça. Mais je voulais vous dire, mes amis, que si vous l'achetez trop tard, ça existe en brun, en châtain, en roux, en blond clair, etc., vous risquez de ne plus en avoir. Ah oui, c'est sûr. Il risque de plus en avoir. C'est un produit pas cher et ça fait quand même 25 applications pour des cheveux d'une densité comme les miennes, je pense. Ah oui, 25 applications, ça fait pas mal quand même. Hein. C'est ce qu'ils disent, hein, c'est à voir. D'accord. De toute façon, j'espère qu'on n'aura pas besoin de faire les 25 applications. Non.
Non, j'espère aussi, parce que là, déjà, on a un peu du mal à se remettre dedans la saison 2 du confinement. Ah, mais saison 3, non. Non, allez, on ne va pas y penser du tout. Non, il va alors, Voilà, donc je vais reprendre la main. Alors maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Je n'ai rien à vous montrer, rien dans les mains, rien dans les poches. Je vais vous parler du soin que j'ai pu faire hier. Hier, j'ai testé une technique qui s'appelle le jet peel. Le jet peel, c'est quoi ? Alors en fait, c'est pas péjoratif quand je vais le dire. Là, ce sont deux infirmières qui s'appellent Horizon. C'est la contraction de leurs deux prénoms qui sont à Nice. Mais ça existe aussi à d'autres endroits. Hein. Le jet peel, vous tapez jet peel sur Internet, vous allez trouver tous les endroits où on peut le faire. Enfin, où vous pourrez le faire à la sortie du confinement. Et donc, le jet peel, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est pas péjoratif, ce que j'allais dire, c'est comme un Karcher. C'est en fait un petit outil. On dirait un stylo quand elle le passe. Alors, bien entendu, on vous installe sur une table bien douillette, avec un petit plaid, et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, c'est comme un stylo, et elle le passe partout sur le visage. Il y a trois passages, je vais vous expliquer lesquels. Et il y a 300 barres de pression. Donc, c'est comme un Karcher. Ça permet de passer à travers la couche cornée, et donc de faire rentrer les actifs qui vont être utilisés plus profondément dans la couche cornée, voire même jusqu'au derme. Bon, moi, jusqu'au derme, je reste toujours un peu sceptique. Mais bon, déjà, si ça pénètre profondément, c'est pas mal. Alors, en pratique, comment ça se passe ? Il y a une première phase, en tout cas comme elles le font elles, il y a une première phase où c'est du drainage. Donc, elles le passent avec, je crois que c'est une solution de chlorure de sodium. Et donc, partout, elles passent comme ça. Je vous mettrai des photos sur Instagram si vous le souhaitez. Et donc, elles le passent comme ça. Donc, on voit la peau qui se soulève. C'est très rigolo à voir. Enfin, qui soulève, attention. Ce n'est pas violent, mais ça fait vraiment comme un massage. Hein. Voilà. On est très, très bien. Alors, pendant tout le soin, c'est limite, je m'endormais quand même. Hein, voilà. Et donc, quand elle le passe, comme il y a 300 barres de pression, ça fait très, très froid. Donc, certaines personnes ont du mal parce que c'est surprenant. Mais comme elles vous mettent la petite couette et que la table est chauffée, tout va bien. Et sinon, elles augmentent le chauffage. Donc, ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage, ensuite, elles font un peeling. Alors, le peeling, il y a deux versions. Il y en a une avec des acides de fruits pour les peaux les plus sensibles. Et la deuxième version que j'ai pu faire, parce que moi, je n'ai pas la peau hypersensible, c'est avec de l'acide glycolique, si je ne me trompe pas, à 10%. Et donc, elle le passe toujours avec cet appareil qui envoie très, très fort dans la peau le produit. Donc, elle passe partout sur le visage, pas le contour des yeux. Elle s'arrête là, juste en dessous, là. Elles font attention. Elles font ici le tour de la bouche, comme un masque, quand on fait un masque pour le visage, c'est pareil. Et donc, elle le passe partout, l'acide glycolique, ou le peeling, si c'est de l'acide de fruits, un autre peeling. Et ensuite, elle le rince tout de suite pour arrêter la réaction de l'acide de fruits ou de l'acide glycolique. Donc ensuite, elle le rince toujours avec le même petit appareil qui est comme un stylo. Et le troisième passage, c'est un mélange de produits pour faire du bien à la peau. Alors selon le type de peau, elles adaptent. Ça peut être de la vitamine E, de la vitamine A, ça peut être de... je ne trouve plus le nom, on ne connaît que ça. La grosse molécule qui hydrate bien la peau. Ah, j'ai un trou. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. Comment ça s'appelle ? Tu sais, la molécule qui hydrate très, très bien, on en parle partout et on l'injecte. L'acide hyaluronique. Merci. Ça y est, j'avais un trou de mémoire. Merci, Nicole. Donc, l'acide hyaluronique, et c'est le troisième passage. Donc, c'est un mélange de produits. Ils appellent ça infuser ces produits dans la peau. Alors, juste pour vous donner mon ressenti, je vous dis, je me suis quasiment endormie. Donc, j'étais très, très bien. Et elle a terminé la séance par une séance de photobiomodulation. Vous savez, ces lumières qu'on vous met, là, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert. Enfin, je n'ai pas tout vu parce qu'elles m'ont mis des petites lunettes de protection pour les yeux. Bien qu'il n'y ait pas de risque, mais elle préfère mettre des petites lunettes. Et donc, j'ai fini le soin comme ça. Et après, j'avais une peau hyper hydratée. Donc, c'était génial. Je ne sais pas si Nicole a eu l'occasion de tester ce genre de soin. Alors, pas tout à fait ce soin-là parce que moi, dans mon institut, ça n'existait pas celui-là. Mais les lumières avec les différentes... Ah oui, et ça, tu sais que je suis très, très fan de ça. D'accord. Parce que je trouve que c'est très efficace. Ah, d'accord. Donc, ton soin a dû être très, très bon. C'est sûr que ça sent bien sur ta peau, là. Tu as une peau très, très lumineuse. Oui, ben, ça doit être ça, c'était hier. Ça se voit. Voilà. À toi, Nicole, c'est ton tour. Alors, moi, un petit blush. Ah. Un petit blush L'Oréal, ça va te parler. Je me suis acheté un blush de chez, je ne sais plus si c'est Lancôme ou une autre grande marque, et moi je suis fatiguée des petites paillettes qui foutent dans tout maintenant. Ah oui,
Parce que ça fait glowy, oui, certes, mais glowy en anti-âge, je ne sais pas ce qu'il y a de plus joli sur les joues quand on a un peu les pores dilatés. Donc, je me disais, je vais prendre celui-là, je l'ai testé, donc il est sur ma main, il est assez naturel, et puis voilà, donc j'ai pu le trouver. J'ai droit à un joker. Oh non, c'est un très bon joker. Alors en fait, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai présenté justement un blush. Alors moi justement, j'avais que des blushs mat, et j'en ai trouvé un parce que je le voulais, mais pas pailleté. Je voulais qu'il fasse l'effet juste, tu sais, un peu brillant, comme quand on met voilà, les produits qui font juste brillant, un peu d'highlight. Mais je ne voulais pas que ça fasse pailleté, justement. Et j'en ai trouvé un chez MAC. Ah, oh, MAC, moi j'adore MAC. Voilà. Et justement, je voulais te parler de MAC. Chez Look Fantastic, ils font MAC. Parce qu'ils font original. Et ils le font Look Fantastic, c'est des prix qui sont plus bas que Sephora. Oui. Oui. Mariano, c'est encore plus cher que Sephora, mais bien plus cher même. Et bah voilà, donc moi j'ai demandé des liens traqués chez Look pour pouvoir en faire les amis. Et là, je me suis acheté un rouge à lèvres. Alors, je suis un peu déçue, tu vois, parce que quand tu le commandes par internet, tu ne te rends vraiment pas compte des couleurs. Là, c'est foncé, c'est un peu terne. Moi, je pensais que c'était un rose beaucoup plus bois de rose. Oui. Donc, un peu déçu, donc celui-là, il servira en cadeau. Hein, parce que moi, je ne vais pas le mettre, j'en ai plein des comme ça. D'accord. Non, j'aime pas, pour moi. Alors, je reprends la main. Oui. Alors, à la fin de ce soin, donc les deux jeunes filles qui m'ont fait ce soin m'ont proposé de tester des produits. Alors, je ne peux que vous les montrer, je n'en sais rien, je ne les ai jamais testés. Puisqu'en fait, le Jet Peel, la marque qui fait Jet Peel, ça s'appelle Sésame, l'entreprise. Et Sésame a sorti également une gamme de soins. Donc, elles me font essayer la crème raffermissante. Alors, juste petit défaut, ça s'appelle Timeless Care. Donc, c'est une crème de soins, tout simplement. Mais c'est écrit en blanc sur rose pâle et on a du mal à lire. Ça, juste, si vous passez par là, il faudra le faire remonter. Mais sinon, la crème, je ne l'ai pas encore testée. Elle sent super bon. Elle a une très jolie texture que je peux vous montrer, d'ailleurs. Voilà. Alors, la texture, vous voyez, c'est un gel crème. J'espère que vous allez le voir. Qui est très... Ça sent super bon. Alors, je l'ai essayé vite fait sur la main. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est un gel crème et je verrai ce que ça va donner dans le temps. Là, je n'en dis pas plus. Et donc, elles m'ont donné aussi deux petits masques à tester. Alors là aussi, c'est du marketing. Il y a marqué « Et si vous vous passiez des injections ?» Là aussi, on va moduler les choses. Déjà, si on a une belle peau, c'est déjà pas mal. Ah oui, c'est déjà beaucoup. Puis très hydraté. Voilà. Quand on est hydraté. Exactement. C'est tout ce qui compte. Et donc, d'ailleurs, tu sais que je fais plein de masques comme toi. Et elles ont dit, mais tu as une très jolie peau, tu n'as pas besoin de forcément faire beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, toi et moi, on en prend soin de notre peau. Et c'est très important. Donc, un des deux masques, il est aux acides de fruits, au Bubble Serum, je ne sais pas ce que c'est. Et il est aussi pour peau sensible. Et le deuxième masque est au collagène marin avec un actif anti-âge. Donc, j'essaierai à l'occasion et je vous en reparlerai lorsque j'aurai testé. À toi! Alors, moi, je vais vous parler d'une petite palette. D'une petite palette de chez Mac. Mais là, c'est pareil, tu vas voir. C'est pour ça qu'acheter par Internet, je trouve que c'est difficile. Eh oui. Ça ne rend pas du tout les mêmes couleurs. Alors, elle est mignonnette, hein? Tu vois? Ah oui. Ah, oui, je ouais. Mais ces couleurs-là, c'est vrai que je les ai déjà, en vrai. Je pensais qu'elles étaient beaucoup plus roses. Ah, donc, oui. Voilà, les cours, c'est vrai que c'est difficile d'acheter les fards à joues et tout ça par Internet. Je ne sais pas si tu es d'accord. Ah oui, complètement. Un peu à se tromper. Alors, moi, c'est simple, comme j'ai déjà ça, eh bien, tu sais que j'arrive à mes 90 000 abonnés. Donc, je mets ça en cadeau avec d'autres choses. Je suis en train de préparer un petit colis. Oui. C'est sympa, c'est toujours, voilà. Ça fait toujours plaisir. C'est très, très bien. Oui, c'est sûr. Bien. Alors, je reprends la main. Est-ce que tu as d'autres produits à présenter? Oh là, oh là, oh là, vas-y. C'est vrai? Bah, ouais, c'est à toi. C'est juste pour vous dire que ça, c'est un petit calendrier de chez NYX qui doit être dans les 59 euros. Ah, oh, pas cher. Ça, je ne me souviens plus. Bah, par rapport à ce qu'on nous propose, c'est moins cher. Ce n'est qu'un... Il n'y a que du maquillage dedans. Que du maquillage. D'accord. Toutes les cases sont déjà toutes ouvertes. Hein. Toutes les cases sont que du maquillage. Attention, c'est du maquillage, à mon avis, pour des jeunes. Ah. C'est très, très pailleté.
Ah. Les rouges à lèvres, c'est presque du noir, des Ah tons. oui. Alors moi, j'ai du mal avec ça. Voilà. Donc, c'est peut-être pas. Si vous avez des petites filles, ça peut être sympa. Moi, ça va être pour ma petite fille. Oui. Et voilà, il n'est pas cher, mais Oui, il mais n'est pas tellement adapté pour nous, quoi. d'accord. Ok. Bon, on va peut-être passer aux questions si on a eu des questions. Donc, je reprends mon. J'ai un dernier petit truc. À toi. C'est vrai que la période est propice à la lecture. Ah oui. Donc là, vous vous souvenez toutes d'Olivia Ruiz, qui est une chanteuse, qui avait un compagnon qui écrivait royalement, je ne sais plus comment il s'appelait, parce que ce n'est plus le même, mais c'était génial. Et elle se met à l'écriture et la commande au tiroir de couleurs. C'est l'histoire de sa grand-mère, qui était espagnole, réfugiée espagnole. Moi, j'ai bien connu ça parce que comme j'habitais Pau dans les Basses-Pyrénées, les réfugiés D'accord. espagnols, ils venaient beaucoup dans notre coin. Et D'accord. elle raconte ses secrets de famille, quoi, qu'elle ne connaissait pas. Et moi, j'aime les secrets de famille. Je vous en parlerai, j'adore ça, j'adore Ah, ça. Je c'est suis toujours toujours comme elle. sympa, hein. C'est toujours Voilà, c'est sympa. fini. C'est fini. Bon, alors est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est maintenant les questions. Alors, on a un petit décalage. Du coup, je vais attendre quelques secondes que vous ayez le temps d'écrire les questions. Je vais quand même regarder ce qui a déjà été dit pendant qu'on parlait. Alors, nous avons. Alors. Coucou, coucou, coucou de tout le monde. Bonsoir, bonsoir mesdames, quel plaisir de vous voir. C'est Christelle Nabé. Un bon moment à partager avec vous. Alors, il y a Chris, Tango Man's World, qui dit peut-être mettre les deux affichages. Eh bien là, sur l'iPhone, je n'ai pas trouvé l'option pour le faire. J'aimerais le faire, mais je n'y arrive pas. Donc, je chercherai pour la prochaine fois. Là, on passait d'une à l'autre. C'était un peu compliqué pour moi, mais je m'améliorerai. C'est une première, hein. Il faut C'était être. pas mal, hein? Ouais. Ensuite, on arrive à nous voir toutes les deux, oui, de façon alternative, pour l'instant en tout cas. Et oui, on devrait pouvoir s'afficher toutes les deux. Alors peut-être que je vais essayer de chercher pendant ce temps-là. Il y a Nicole, oui, il y a Nicole, maintenant tout le monde le sait. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme question? Les gens, voilà. Génial comme technique, on nous dit, ben oui, c'est sympa parce qu'on peut faire un live à deux alors que jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas le faire sur YouTube. C'est perfectible, je suis d'accord. Trop cool de vous avoir ensemble. Merci Nicole, je vais commander le bouquin. Ça, c'est Mumu qui dit ça. Bravo Mimou, tu me diras ce que tu en penses. Voilà. Ensuite, je reprends la main. Autre question. Ah, Graziella Geoffrey qui dit, j'ai lu et j'ai adoré. Wow, très bien. Ça, c'est bien. Ensuite. Nous avons, merci Nicole pour le live, j'aime beaucoup lire. C'est Josiane Silly qui dit ça. Bonjour, Josiane. Marie Vervin qui dit un blush Dior n'est pas pailleté. Alors, je n'ai pas testé les blushs Dior, je te redonne la main, mais. Oui, je connais pas non plus. Moi non plus, je n'ai pas testé de blush Dior. Coucou tout le monde, c'est Evelyne Faure qui arrive. Chris qui demande est-ce que je fais des event live cette année? J'en sais rien. Parce qu'à ce jour, je n'ai pas eu trop de marques qui m'ont contactée. Ce qui se passe, c'est peut-être pareil pour toi, Nicole, avec tout ce qui se passe actuellement, c'est un peu le bazar partout, dans les marques, dans tout, le confinement pour eux aussi, le télétravail pour eux aussi, et c'est très compliqué de gérer. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir faire, mais je ne pense pas faire un live par jour comme je faisais les autres années. Voilà. Je ne sais pas si toi, je te redonne la main, Nicole, si toi, tu as le même problème en ce moment, c'est très difficile de contacter. Alors, non, j'ai été contactée par beaucoup de marques, des marques qui ne me contactaient pas jusqu'à maintenant, mais Oui. c'est compliqué quand même. C'est Voilà. une période compliquée. Ils vont tous aller travailler en télétravail, donc je C'est ça. voyais, il y en a certaines qui vont partir chez leurs parents. Souvent, ces filles-là, ce sont souvent des filles très jeunes qui commencent dans le métier. Donc, non, on ne va pas avoir beaucoup de. Non, non, je ne crois Et pas. ouais. Donc voilà, donc je reprends la main. Voilà pourquoi l'Avent Live, je ne pense pas. Enfin, je verrai. D'ici là, je vous en dirai plus. Alors, il y a Christelle Nabé qui nous demande la palette pour les yeux, c'était quelle marque? Mac. C'est du MAC. OK. Alors, partout, je confirme sur Paris. Qu'est-ce que c'était? Avec plaisir, je dirais. Alors, attends. Patricia Dallary qui dit, je reprends la main, un blush Clarins avec du mat et de l'irisé mélangé, c'est très joli et très lumineux. Moi, je n'ai pas testé de blush Clarins Non, encore. non plus, non. Pareil. Bon. Clarins m'ignore complètement, moi. Toi aussi?
Oh oui, complètement. Et bon, pas pour aujourd'hui, Clarence, on verra. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas arriver, mais il y a un petit délai pour qu'elles arrivent entre le téléphone et ce que nous avons là en direct. Ah, je peux dire quelque chose, Magali? Oui, je te redonne la main, à toi. Oui, si vous êtes venu sur mon Instagram, c'est vrai que j'ai été contactée par l'Institut national du cancer pour faire deux postes. C'est vrai. Et là, en ce moment, je sais que moi, par exemple, je vais passer ma mammographie, je vais téléphoner, il y a des listes d'attente aussi, c'est incroyable, hein. Oui. Je dois rappeler en début du mois de novembre, mais n'hésitez pas à aller passer votre mammographie. C'est important, il ne faut pas qu'on lâche ça, même si on est confiné. Et alors, je reprends la main, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Ce n'est pas parce qu'il y a des délais, effectivement, qu'il faut lâcher. Toutes les conditions sont mises en place dans les cabinets de radiologie pour qu'on ne se croise pas, qu'on ne croise pas d'autres personnes. Tout est désinfecté. Ils ont l'habitude, c'est leur métier, c'est leur travail. Les radiologues sont des médecins, donc ils connaissent bien toutes les procédures. Donc, continuez à faire votre suivi médical, que ce soit les radios ou toute autre chose. Surtout, continuez à vous soigner. N'arrêtez pas parce qu'il y a le confinement. On a l'autorisation de sortie avec l'attestation pour aller faire des soins médicaux. Donc ça, il ne faut pas le louper. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ferez-vous une vidéo pour choisir un calendrier de l'Avent? Alors, moi, le choix des calendriers de l'Avent, et après, je te donnerai la parole, Nicole, il est vite fait. J'en ai acheté qu'un seul parce que je les achète, je n'en reçois pas de calendrier de l'Avent. Donc j'en ai acheté qu'un seul, je vous le montrerai en temps et en heure, mais voilà, j'en ai acheté qu'un seul pour cette année et en général j'en achète maximum deux dans l'année, enfin pour Noël, parce que vu le prix que ça coûte, j'essaie d'en acheter des pas chers qui soient un bon rapport qualité-prix. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Nicole. Mais moi, je n'en reçois jamais de calendrier de l'Avent, je Voilà. les achète, hein, c'est moi qui les achète. Donc, non, là, j'en ai acheté deux, je ne peux pas en acheter plusieurs parce que bon, je me suis trompée pour l'un en achetant Look Fantastic à 95 euros, 95 euros, ce qui était cher, très cher. Et je suis déçue du contenu, quoi, vraiment. Oui. C'est que des modèles de voyage ou même des échantillons parfois. C'est ça, c'est ça. Non, non. Non, moi je ne vous conseille pas d'acheter si au chocolat. Oui. C'est Pas cher. ça. Alors, je reprends la main, effectivement. Si vous achetez du thé, du chocolat en calendrier de l'Avent, enfin, il y a pas mal de choses. Il y a même des calendriers de l'Avent pour des bières ou des choses comme ça. Pour les soins, ne mettez pas beaucoup d'argent dans un calendrier de l'Avent. Je vous montrerai le mien quand j'estimerai devoir vous le montrer. Mais n'achetez pas cher. Moi, j'achète cher. Alors, pendant 2 ans, j'ai acheté celui d'Yves Rocher. Il n'est pas cher. On a au moins des bains moussants, on a des gels douche, on a quelques laits, un peu de maquillage. Voilà, c'est d'ailleurs celui de l'année dernière, il y avait pas mal d'échantillons, alors que d'habitude c'était des modèles un peu plus gros. Donc là, je vous l'avais dit d'ailleurs en direct, hein, j'étais assez déçue quand c'est des petits trucs comme ça, des échantillons. On n'achète pas des échantillons. Voilà, je trouve ça énervant. Par Oui. contre, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un qui est pas mal. Moi, Clarence, je regrette, mais comme ils nous ont jamais, jamais, jamais envoyé un petit mot, malgré qu'on soit chez Arwin, qu'on leur vende des produits et qui donc touchent pas mal d'argent grâce à nos choses, À nos donc postes. je n'achète jamais rien chez Clarence. Je suis Et très ouais. mauvaise. Et par contre, j'ai été regarder leur calendrier de l'Avent. Et pour des gens, si tu as dans ta communauté des gens qui aiment Clarins, oui, il est copieux ce calendrier. Je ne me souviens plus du prix, mais il est copieux, tout comme celui de Lancôme, qui est quand D'accord. même copieux. Pas de maquillage, hein, très peu, mais du soin, Du oui, il y soin. en a. Ouais. D'accord. C'est bon à Mais savoir. je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Effectivement, c'est bon à savoir. Alors, il y a Chris, parce que j'ai parlé du calendrier de l'Avent des bières, il me dit il est un peu gros et lourd le calendrier pour les bières. Effectivement. Ah oui. Alors, Mumu nous dit c'est la première fois que j'assiste à un live de Mag. Eh bien, bienvenue, Mumu. J'espère Bon. que mes lives te plairont. Et donc voilà, ce soir, c'était un premier live en duo. On essaye une nouvelle technique, mais comme je vous ai dit, elle est perfectible. Et donc, ben j'espère que la prochaine fois, j'arriverai à mettre les deux personnes dans le même écran. Je vais chercher partout sur Internet comment faire. Voilà. Je vais te redonner la parole pour finir de ton côté, Nicole, et après, je ferai le mot de la fin. Ça fait une heure déjà? Ah non, ça ne fait pas 1 heure. C'est quand on a fini, à moins que tu veuilles aborder un sujet. En général, Ah moi, les lives, c'est une non, demi-heure. mais le temps passe tellement vite que c'est fou, quoi. Ouais. Ben, moi, je vous embrasse toutes virtuellement, bien sûr.
Je vous dis qu'il ne faut pas non plus. Et tous, ah, il y a des tous là. Il y a Chris, c'est un homme. Celui de la bière, oh, c'est un homme. Tu ne l'avais pas dit, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est un collègue de travail qui est très fidèle, oh, on suit avec sa femme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y avait des examens médicaux familiaux, on va dire. J'espère que tout s'est bien passé, mais on en reparlera en message privé tous les deux. Voilà. Bah, bonjour Chris, alors, excuse-moi. Mais bah voilà, donc ne soyez pas trop pessimiste, parce qu'on va s'en sortir. Il faut être raisonnable, c'est tout. Et bah, je suis sûre qu'on va s'en sortir, moi, tu vois, je suis positive. Et je vais m'enfermer pendant 3 semaines en faisant plein de choses pour mes abonnés. Voilà. Eh bien, voilà. En tout cas, alors je reprends la main. Je te remercie, Nicole, encore une fois, d'avoir fait ce duo avec moi. Ben, merci à toi, surtout. Ouais. Ah, voilà, donc c'était un test, on est arrivé à le faire, on est allé jusqu'au bout. La prochaine fois, je m'améliore, il y aura les deux photos en même temps. Je suis sûre qu'on va y arriver. On devait se voir à Paris, là. Et oui, normalement, on devait être, je t'ai redonné la main, là, normalement, on devait être à Paris ensemble hier et aujourd'hui. Et les choses en ont décidé autrement. Mais ça reviendra bientôt. Oh oui, oh, ça c'est sûr. Voilà. Alors écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, je regarde quand même, je fais un dernier petit tour. Et moi. Alors, il y a Michel Leleu qui nous dit, il y a Lola Dujardin qui arrive en retard, qui nous fait un petit coucou, qui fait de très jolis bijoux pour celles qui ne connaissent pas. Lola Dujardin, allez voir. Michel Leleu qui dit, avant d'acheter un calendrier de l'Avent, on peut regarder les vidéos de Lodos Makeup, car elle ouvre toutes les cases. Bah oui, mais enfin après... Mais moi aussi, tout est ouvert. Voilà, après il n'y a plus de surprise, c'est ça le truc. Alors, Chris... Alors, Evelyne qui nous dit, c'est sympa le concept du duo. Quand il sera amélioré, ça sera très bien. Michel Leleu qui, allez, je te redonne la main, qui dit, comment va ton fils, Nicole? Oh, c'est gentil de le demander. Eh bien, écoute, il va mieux, mon fils. Vraiment, lui, il est sorti d'affaires. Il tousse énormément. Mais il paraît que c'est normal de tousser. Si dans une semaine, il tousse encore, il reverra le docteur. Ma petite belle-fille, elle avait des jours de retard. Donc, elle est encore mal foutue avec de la température. Ça passe. Ma petite fille, elle, troisième truc, a fait 40 pendant 2 jours, je crois. Hein. Et puis, bah voilà. Elle joue, elle est en pleine forme. Donc oui, et tous mes autres enfants, alors qu'ils étaient ensemble, ne l'ont pas attrapé. Donc... Bien, tant mieux, tant mieux. C'est tant tout mieux. Ce qu'on demande. Tant mieux. Bon, et le papa de mon fils, là aussi, mais il l'a eu atténué aussi, malgré son âge, et malgré une santé qui n'est pas au top. Voilà. D'accord. Je te laisse faire le bisou à tout le monde, et après je reprends la main, je ferai le mien. Bisous, bisous, et prenez soin de vous, soyez sérieuses. On se retrouve toutes bientôt. C'est ça. Et je reprends la main. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et là, c'est plus que jamais la vérité. Donc, faites attention à vous. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Je ne sais pas sous quelle forme encore. Bisous, bye bye.